D'abord, Madame la mairesse, merci. Alors, c'était pour aller dans la même veine pour la motion là, qu'on a Oui. déposée et adoptée. Alors, je pense que c'était bien de se rappeler peut-être un peu de mettre en contexte un peu la situation de l'eau autant dans le monde, là. Je pense qu'on s'appelle la planète bleue, hein, mais 97% de notre eau est salée et seulement 2% de notre eau est douce. Et de ce 2% mondial, de ce 2% d'eau mondiale-là, 21% est justement dans les bassins des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Donc, d'où l'importance de cette motion également. Autrement dit, notre or bleu est précieuse, puis elle va l'être encore plus au cours des prochaines années. Puis elle fait également dans le monde, on ne le réalise pas, mais ça fait beaucoup de. C'est la cible d'enjeux géopolitiques, là, vraiment. Alors, je pense que juste terminer mon intervention, Madame la mairesse, avec une citation de Hubert Reeves, un grand Montréalais astrophysicien, donc qui est reconnu également à l'international. Donc, à l'échelle cosmique, l'eau est plus rare que l'or. Donc, voilà.